L'accès à la calanque d'Envaux par le Portalet se refait une beauté, jusqu'ici difficile d'accès et victime de l'érosion due à son grand nombre de visiteurs, près de 2000 personnes par jour l'été. Les sentiers balisés devenaient impraticables, voire dangereux. Pour protéger le milieu naturel, de grands travaux d'aménagement ont débuté au mois de novembre 2022. Pour le Parc national des Calanques, pour le conservateur du littoral et l'Office national des forêts qui sont propriétaires, de canaliser le public, donc de conduire des aménagements pour canaliser le public et dans le but de protéger la biodiversité. Le chantier historiquement était dégradé, avait aussi d'ailleurs des enjeux de problèmes de sécurité. Cela crée des centres de divagation, donc le public se dispersait. C'était important de bien canaliser le public sur un sentier pour éviter ces centres de divagation qui sont nuisibles à la biodiversité. Des travaux impressionnants, mais aussi minutieux. On est sur, on a des big bags de pierre là, qui ont été rapportés par Héliportage la semaine dernière. Pour en fait permettre à l'entreprise qui fait les travaux d'avoir des blocs suffisamment solides et suffisamment gros pour compléter les emmarchements qu'on va devoir aménager sur le sentier. Donc là on a une pierre qui correspond très bien à la qualité esthétique, on va dire, du calcaire des calanques. Et donc à partir de ces blocs là, on va pouvoir tailler des marches ou faire des petits murs de soutènement du sentier là où il se casse un petit peu la figure. On ne pouvait pas monter avec des engins hormis avec une pelle à chenille. Donc tous les blocs que vous voyez qui font entre 300 et 800 kg, on les a tous pités et on les a tous héliportés. Donc on a déjà eu deux rotations de plus de 4 heures d'hélicoptère pour mener tous ces blocs. Et après on fait des fouilles et on les ancre et on les monte et on imagine des marches. On essaye de se mettre en conformité avec l'envie du parc. Il ne faut pas trop que ça fasse urbain, mais il faut que ça soit utilisable, qui est, ben, je crois qu'on va éviter beaucoup d'entorses par rapport à ce qui se passait dans les autres années. À partir du mois de mars, vous pourrez redécouvrir un accès plus simple et plus sécurisé.